Vendredi dernier, le marché couvert nocturne de Beach a eu lieu. Les visiteurs se sont donné rendez-vous à partir de 18h pour découvrir ou redécouvrir les produits du terroir et l'artisanat local. Une quarantaine d'exposants étaient présents pour cette deuxième édition. Mais avant de pouvoir profiter des festivités, le pass sanitaire était obligatoire pour accéder à la manifestation. La police municipale était présente pour contrôler les passes des visiteurs. Obligatoire depuis le 14 août sur le site, les contrôles se sont bien passés mais ne font pas l'unanimité auprès de tous. Au niveau des producteurs, ça a été un souci. C'est l'incompréhension en fait pourquoi les supermarchés ne demandent pas le pass sanitaire et que les marchés couverts sont soumis au pass sanitaire. Donc pour eux, en fait, il y a une petite incompréhension. Mais on voit pour ce soir, ça se passe très bien en fait. Les gens arrivent, ils ont leur pass sanitaire, tout se passe bien. Pour cette deuxième édition, de nouvelles animations étaient proposées. Le groupe de rock Let's Work to Farm s'est produit toute la soirée pour le plaisir des visiteurs. Avec leur blues rock agricole, ils racontent leur quotidien, pas comme les autres. On est tous employés d'une ferme et en fait on parle un peu de ce qui nous arrive dans la ferme, les histoires avec les animaux, les tracteurs. Invités par la mairie, c'était l'occasion pour eux de renouer avec le public, avec leur musique. Une autre activité est également proposée pour les plus jeunes. Le centre équestre militaire de Beach était présent pour faire découvrir l'équitation lors d'un baptême de poney. Les enfants ont pu prendre en main leur monture le temps d'une balade. Mais ce marché est tout d'abord l'occasion d'acheter des produits locaux et de découvrir les saveurs de la région. Pendant toute la soirée, une buvette et de la restauration étaient proposées sur place. Des artisans locaux étaient également de la partie. Peintures, bijoux ou encore verres gravés étaient à la vente. Autant de diversité de produits qui ont ravi les visiteurs. On a acheté des burgers au bison, parce qu'on a visité la ferme des bisons. Et puis, on a acheté un verre gravé. Alors, des saucisses, des gendarmes, qui s'appellent les gendarmes. Et de la confiture de Mirabelle. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Une bougie aussi, qui sent bon. Bah pour l'instant, j'ai juste pris une bière. Et peut-être en prendre une deuxième. Je sais pas, je vais voir. La deuxième édition vient tout juste de se terminer. La troisième est déjà en préparation. Pour continuer d'innover, les organisateurs pensent à un marché transfrontalier si les conditions sanitaires le permettent d'ici là. Pour les prochains mois, la mairie réfléchit également pour organiser des marchés couverts pour Halloween et Noël.